Allez, 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 allez! Ah mais c'est Stan the Man. Dans le vlog, on me demandait beaucoup putain mais t'as switché avec On et tout. J'attendais ce moment là que vous veniez pour expliquer. Quand tu fais le râle hein, gros, tu fais que des ah, c'est toi tu me traites de rat. Si t'arrêtes de fumer. Oh. Et si tu le rates, tu te prends un trou dans le cul. Moi c'est un truc que j'aime bien, tu vois. C'est physique je trouve parce que finalement, généralement dans le match tu te retrouves, il y a des moments où tu joues que là et le mec il te fait courir à droite, à gauche et tout, t'as besoin d'être là 2-3 points quoi, tu le connais. Let's go. Oh 7 8 Oh allez. En fait, tu sais, c'est fou parce que je pense que je me déplace mieux, tu vois. Mais le truc, c'est que j'ai tellement peur, ça fait que je me déplace pas bien, en fait. Je mets mon pied gauche hyper près pour que j'ai pas trop d'un truc. Vous savez que je fais 2-3 petits pas avant. Mm-hmm. Ça fait que chaque fois que je les tire au bout de la raquette comme ça, enfoiré, je te vois, t'es là. Après, je fais comme un pied gauche pour revenir de notre côté. C'est l'intermittent avec moi. Non, mais c'est pas l'intermittent avec moi. C'est lui le joueur de tennis. Moi je suis coach. Je l'encourage. Allez. C'est moi qui monte le boss. Il commence par la récup. Il commence par la récup. You cannot be serious! Il est défait. Ah la merde. Dis-moi pourquoi, Nato. Qu'est-ce qui se passe là? C'est partout. Bah ouais, 9-7 pour moi. T'es trop pressé. Et que dois-je faire? Te détente. Mmh. C'est ça le plus dur. Fais des maths. Personne n'a envie de faire ça. Des fois, deux, quatre. Tu vois, depuis qu'on a couru là, Nato, là, c'est. Je sens que en dessous là du mollet là, ça me picote là. Ah, cette jambe là a beaucoup soutenu la jambe droite. Wow. Donc là le mollet là, la course à l'avant, sur les côtés. Tu fais des aiguilles tu vois celle-là? Ouais, je fais l'acupuncture, hein. Je fais des aiguilles. Ça celle-là est éphémère. Et il sent la douleur. Il sent l'énergie qui circule déjà. Et je t'enlève les aiguilles là. Ça fait mal, 3-5-2. Hein? Mais tu vois dans le match, quand même, dans des matchs,
Genre, ils n'arrivent pas à comprendre que, tu sais, d'un coup, il y a 7-5 pour toi, et toi, on va dire, il y a 2-1 pour le mec, et tu sais, tu fais un rallye, tu n'aurais pas dû à 35, et là, d'un coup, tu te retrouves à 6-2-2-0. Martinez. Et là, il se passe là qu'il y a le petit point qui a fait que. Tout a changé. Physiquement, et le momentum a switch. Tournant. Tournant du match. Putain, Martinez, il est cuit là. La question, c'est qu'est-ce que tu fais quand il est rentré dans ta tête? Soit je change, tu vois, enfin je change, je te parle, je suis beaucoup plus agressif. Ou soit, franchement, je vais dire la vérité, je me mets. En fait, après, je m'appuie sur toi, ma force, entre guillemets, je me dis, tout, bah, je me dis putain, tu sais quoi, je suis méga passif. Parce que le mec est dans ma tête, le mec fait plus de fautes, tu vois, je lui montre, bah, tu sais quoi, moi je ferai plus de fautes non plus. Genre, j'essaye même pas de faire un point gagnant, tu vois ce que je veux dire. J'essaye vraiment de te faire courir et te montrer que, tu sais quoi, je fais zéro faute. Quoi. Pour essayer de re-rentrer dans ta tête, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Parce qu'après, si tu... Après, si tu restes normal, je pense que le mec, il te déchire, tu vois. Ah! Ah! Chaturé. C'est là, les amis, elle fait du bien. Elle fait du bien. Redonne du peps. Putain, le mec. Redonne du peps. Je suis obligé de le coacher, putain, pour qu'il gagne. Ça m'en fout. Là, il y a 4-0 Joko, 0-30. Sur size de Joko. C'est mort. 4-2 pour Tennessee. Harry, il vient de me sauver. Grâce à lui, on a les deux billets pour Paris. Doha, Melbourne. Oui, on va faire un tirage de sort. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour le tirage de sort. Qui a envie de se barrer en Australie? Attention. Jeanne, bah, félicitations. Est-ce que Jeanne, es-tu là Jeanne ou pas? Allô, merci encore et puis merci. Plein de trucs. On se parle de Melbourne. Bon voyage. Salut. Il est 4h du matin. Bien de se réveiller, l'aventure Melbourne, c'est parti. C'est la serviette de Manarino. Meilleur mais match, meilleur match de la quinzaine, enfin de la semaine. Je suis de Rafa évidemment. Contre c'est lequel? C'était contre qui? Contre McDonald's, bon hyper mais c'est tant ça. Pis. Rafa. Moi, je pense que c'était le match de Locoli en vrai parce que j'avais trop d'émotions en fait, il y avait trop de trucs qui se sont passés, genre j'étais sûre qu'il allait passer et il jouait super bien, j'étais vraiment impressionnée de son niveau de jeu. Contre Michael Mo, c'est ça? Comment vous l'avez trouvé le stade en fait en soi quoi, vraiment Melbourne Park? J'étais impressionnée. Ouais, vraiment c'est trop. Ouais, l'organisation est folle. L'architecture. Les accès au terrain sont top. Ouais. Mais c'est génial d'avoir accès si proche. En fait, je pensais pas qu'aux entraînements on avait accès de. Enfin, on les voit comme si on était. Vraiment. L'entraînement avec. Il y avait aussi Julien Beneteau qui était là. C'était une bonne question. Vous auriez voulu voir ou vous n'avez pas vu? Qui vous avez raté? Gaël Monfils, quoi. Voilà. On l'a cherché pourtant, mais il était pas là. On est allé au Crown. On pensait ouais, bon, au Gaël Monfils. Et. Non, en fait. Donc Gaël, tu n'as plus qu'à faire un nouveau jeu pour l'année prochaine. Et on regagne. Exactement, et on les favorise un petit peu plus, c'est ça quoi. Next step, c'est qu'on vous voit quelque part en tournoi bah, avec Gaël. Non mais Roland-Garros, de toute façon, si vous venez, par contre, ça vous nous dites 100%, Roland-Garros, bah ouais, on vous mettra plus que bien. Il semblerait que vous aurez peut-être une petite place, pas très loin voilà, de Gaël, peut-être. Bah, c'est trop bien. Et on irait parler à Rafa, lui dire putain, j'ai attendu 2 heures l'entraînement, t'es jamais venu. Là, finalement, c'était pour t'attendre à t'entraîner à Roland Garros. Est-ce que c'est pas même mieux, Illy, quoi, tu vois. Damien. Ça va? Ah bah ouais, on voit que tu es là. Hein. Tu joues que croisé? Moi, je fais 2 croisés, 1 long de ligne, 2 croisés, 1 long de ligne, toi, tu joues que croisé? Non. Damien, j'y étais presque. Allez, Damien, allez. Oh putain, allez, serre.
J'en donne une à Dominique. Un bon mollet là. Oh shit, here we go again. Oui, Damien, oui. 1 minute and go. Play now 1 minute. A little bit faster, left, right, and 30 seconds break in between 10 times. And stop. If we do 30-30, it would be very easy. Yeah. Just for you to let you know. It would be very easy. 30-15, yeah. It would be good. Yeah. And stop. So much harder because you know you run and you need to stop, step, hit, focus. Go, 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 go. Let's go. Oui, oui, monsieur. 11, 12. Ah oh, putain! Non! Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Damien. Super. Hello. How are you? Hello, Brenda. How are you? Good. Long time. I'm in PlayStation driving. Yeah. As I make fun of you, I like it. Very much. I have to check on the foot, you know, if you're going down. Oh putain, c'est. Ah, mais c'est Standman? Attends, mais tu l'as mis comme ça ta voiture? Tu l'as mis en maths? Ouais. C'est sérieux ou quoi? C'est un peu. Ça va être plus beau. Mais corporate manager, c'est rentable. Si vous voulez que je mette les petites Bernoutti à la montre ou pas? Oh le goût. Bonjour, non! Non, pas! Non! Allez, tu run and throw. Non! Ah, elle est bonne! Yeah! When your coach is on the phone during the practice. Your wife was also. Yeah, not feeling it today. Hey, close, and Roger killed me. No! Sorry. I need to touch it or not? Yes. Okay. You need to hit it. Oh, no, because I didn't know. Take. Move with it. En plus, ça fait mal. Est-ce que... Et tu fais les yeux fermés ou pas, toi? De quoi? Tu fais les yeux fermés. Mais tu dois mettre la serviette. Ouais, la serviette. Comme ça, tu ne sois pas sur la tête et surtout, tu vois pas. Mais ça, ça fait pas mal. Moi je fais assis où? Là. T'es couché quoi, sur le dos. Comme ça là? Vas-y, protège-toi et je te montre, tu vois. Et après tu fais ça. Ah, voilà. et t'as pas le droit de faire en cloche? Tu peux si tu veux, mais c'est plus dur à viser. Ah ouais, mais par contre ça fait plus mal par contre, tu sais. Ah, ouais.
est bien, c'est que vous soyez là, parce que tu sais, dans le vlog, on me demandait beaucoup, putain, mais t'as switché avec On et tout, tu vois, enfin, des trucs. J'attendais ce moment-là que vous veniez pour expliquer qu'on faisait bien mes chaussures et que, tu vois, que le moule allait le être... Le moule allait être retravaillé. Et retravaillé mieux. Quel con. Faute. Essaye celle-là. Essaye juste de passer celle-là pour voir si tu sens une... Ah déjà, là, ça n'a rien à voir déjà. Mais par contre, je me sens plus serré que celle-ci. Confort. Ah, tu vois. Mais ça, tu vas le sentir et tu l'as l'avant aussi. Ah, et après, on peut jouer sur les épaisseurs, on peut en jouer des différents ou l'intégrer à ça. Et en fait, ça va t'apporter le confort et ça va t'éviter cette tension que tu avais avant. C'est pour ça que je voulais, on voulait voir avec un peu d'eau. Mais finalement, dans la durée, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Tu passes un showroom de la magnifique et ça spin et ça spin et ça spin. Oh là là, ça spin un peu trop là. Elle va finir dans le best-of encore. Non, c'est fini. Oh. Un 10, on va s'arrêter là. C'est bien, les sections. J'ai senti l'air de la balle et tout, c'était... Oh, qu'une poutre, une... mon cria. Oh, le gars. Ok, on y va. Ah. Ah. Kyle, comment? Mais what? Ça, shit. Don't run your body. Un petit peu en full. I think if you would give birth... To Sky, one, stop. You would be still in the hospital. That's for sure. Rolling with a wheelchair. Like, oh, oh. Fuck that. We don't. Can I have some? Can you feed me? Oh, fuck that. Here we go again. Putain, la chaussure. Oh la chaussure. Oh la Tenko. Oh là là. Mais c'est mieux. Non, t'es bien. Ah, je me sens mieux, tu vois. Ça se sent de l'extérieur que t'as de bonnes sensations. Et c'est celui qu'on a vu là hier ça, en fait. Ça c'est le short. Ce qu'on a vu, ouais. Kaki, argile, okay. Ce que tu veux. Ça c'est jusqu'à quand ça? Ça c'est jusqu'à avril. Ok, top. Après tu passes là-dessus. Sur la terre, ok. Il y a 10 mètres, c'est en 11 alors. Bien marqué là, non? Ouais. Il faut légèrement masser après pour ça puisse monter. L'épiderme se débarrasse des toxines. Hey my friend, we see you next time when you're in back in good shape. Il y en a un qui fait que des slides de revers. Croisé? Ouais, croisé. Croisé. And we can go down the line? Ok, celui qui fait les slides, il peut aller long de ligne et ça ouvre le poing, tu vois. Tu m'as, je pense que je peux plus après. C'est ça que... Aïe aïe aïe, oh Nato.
Hey, more worse than Gunther. Ah! Who can slice like you? Many players. Your Federer, you? Novak. He like the ball come fast, he make it a bit short slice. Cross, and then bounce. He's like me, I can make slice. 2, 3, 4. But not consistent like you. Quand tu fais le rat là, gros, tu fais que des slices de rêve. Toi, tu me traites de rat. Non, mais quand tu fais le rat, je te dis, quand tu fais le rat. Non, je sais, mais... Et en fait, je fais que du poignet, moi, quand je fais du slice. Ouais, je sais. Et donc, au bout d'un moment, ça nique. Dimitrov. Match, pas le 8 dans le cul donc. Bah non, 4-0 double. Aïe aïe aïe. De voir que ça crispe pas. Bonjour. Bateau. On va prendre les balles. Gunther. Gunther. Another young player from Ukraine. Yeah. Il est 600 là, il est 615 mondial, bon, il n'a pas joué beaucoup, hein, il a des problèmes. Mais bon, il va faire les futurs. On va faire les futurs, mais on verra bien. Après, si ça va vite, là, on verra changer. Il a pas bien. Ouais, ah oui. When Medvedev, I play with Fuchs, je change. Fusco. 3-3. 3-3. 6-3, 6-3. Ouais, c'est okay. Moi, Clément, je voudrais savoir, est-ce que tu penses que Nato était un peu dissipé entre hier et aujourd'hui? Mais regarde. Est-ce qu'il est un peu dissipé là? Déjà. Il est au téléphone au travail. Attention. Nato, c'est ton dernier vlog. Dernier. Oh là là, ici. Still toss little in front. Perfect. Perfect toss. Comment ton programme? Tu penses que tu vas reprendre quand? Rotterdam. Ah, tu vois, tu reprends assez tôt, ouais, d'accord. Ouais, là j'ai. Tu reviens quoi dans 2-3 semaines ça? 3 semaines. 3 semaines. 2 semaines et demie. Enlève tes mains, Nato. Arrête, sinon on y va comme ça. Allez, vas-y. Enlève tes mains. Vas-y, foiré. Oh, ça fait peur. Tes pieds. Ça fait peur, putain.